Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on s'attaque à fermer le mur de la salle de bain derrière moi avec les blocs de chanvre, comme ici. Et donc ce sera le dernier mur pour enfin fermer totalement la partie nouvelle. Donc je vais débarrasser les panneaux qui sont ici et puis on va faire de la colle et puis c'est parti. Caillou, cosa fai? Sta loca. Oh,
coming. No, 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 Caillou, basta, basta.
le mur de la cuisine est orienté nord-ouest. Les pierres qui le composent sont donc légèrement plus grises et marronâtres que celles du mur du côté de la cuisine, plus exposées au soleil et ayant des teintes plus chaudes. Les pierres que nous avons à disposition ici contrastent un peu avec le mur existant. Afin que le nouveau parement en pierre soit esthétiquement le plus ressemblant au mur existant, on décide d'aller chercher de vieilles pierres dans la campagne autour du village et de la maison. Et un ami est venu nous donner un coup de main pour l'occasion. Un grand merci à lui. Reposant par terre depuis plusieurs années, les teintes de ces pierres correspondent à ce que l'on recherche. Évidemment, cela représente beaucoup de travail supplémentaire. Nous effectuerons au total une vingtaine de trajets pour collecter pas loin de 3 mètres cubes de pierre.
et voilà le résultat final. Il ne nous restera plus qu'à effectuer le parement du pignon pour en finir avec les habillages en pierre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans un prochain épisode.